Tout ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures, c'est ici, dans ce Rewind du 27 mars 2012, c'est écrit juste là. Et le saviez-vous, c'est une bien triste nouvelle, ça vient d'être officiellement annoncé, ça ne fera pas plaisir à grand monde. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et oui, le bikini dans le beach volley féminin, c'est terminé. Voilà. La Fédération Internationale de Volleyball vient en effet d'autoriser les joueuses féminines de volleyball à ne plus porter de bikini si elles le souhaitent. Et je pense qu'elles le souhaitent toutes, hein, malheureusement. Et oui. Ça, c'est terminé, les mecs. Terminé. Ah, à quelques mois des JO, nous faire ça. Mais qu'est-ce qu'on va regarder aux JO? Ah, mais regardez-moi ce toucher de balle, cette montée au filet, cette souplesse dans les jambes. Enfin, ça me donne envie d'aller à la plage, voilà. On vient de tuer une raison de travailler. Ah, puis je comprends pas, quand on dit que c'est juste pour les pervers, ce sport, je vois pas du tout de quoi ils veulent parler. Oh. Et l'image du jour dans ce Rewind, c'est une émission diffusée hier soir sur France 2, émission qui s'intéressait au compte de l'État canadien. En effet, au Canada, eh bien, dès qu'une dépense inutile est faite avec l'argent de l'État, on supprime, c'est direct, et tout le monde le sait. Et vous allez voir qu'ils sont tombés sur un truc un petit peu chelou. Le Canada est l'un des pays les mieux notés au monde pour la liberté de la presse. Ici, la classe politique la respecte et la craint. Marché public frauduleux, coup d'installation d'une sonnette dans un ministère, scandale dans la police ou encore dépenses injustifiées en Viagra pour les anciens combattants, les médias canadiens ne laissent rien passer. Alors là déjà, ça commence à être chelou, mais bon, il faut les comprendre aussi, les anciens combattants, ils sont sur le front, ils ont pas le temps de faire le sexe, alors quand ils rentrent, eh bien là, ils ont envie de rattraper les années perdues. Là, je peux t'assurer qu'il y en a certaines à qui ça fait plaisir, parce que les mecs, ils ont faim, ils ont la dalle, ils sont comme ça. Hein. Allez, passons à la suite. La transparence est telle au Canada que chaque contrat public supérieur à 10 000 dollars, soit 8 000 euros, doit être déclaré en ligne. Fût-ce pour de simples, fourniture de bureau. À l'origine de la découverte de plusieurs scandales, William Leclerc est un chien de garde intraitable sur l'argent public, que ce soit pour le prix d'une bouteille de champagne ou des préservatifs des soldats. On avait demandé à la Défense combien ils ont dépensé pour acheter des condoms. On avait vu qu'ils ont été armés de 1,5 million en condoms pour aller, par exemple, en Afghanistan. J'imagine, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à faire avec des condoms. 1 500 000 dollars de préservatifs, je retire ce que j'ai dit avant, les militaires c'est des gros cutards. Ils sont pas que sur le front, ils sont aussi dans les bars à putes. Hein. Sacré vous, va. Ou alors, non, c'est pour faire des bombes à eau les préservatifs. Et oui, ils remplacent les vraies bombes par des bombes à eau, mais oui. Voilà, en fait, ils sont cool les militaires. Ou alors c'est des gros cutards. Ça marche aussi. Je pencherai quand même plus pour la deuxième solution. Hein. Et pour ce qui était en streaming, je voulais avoir une petite pensée émue pour tous les fans dont je fais partie. De Dragon Ball Z! Votre heure de gloire est arrivée. Vous n'avez jamais voulu avoir la force nécessaire en vous pour pouvoir faire un Kamehameha à quelqu'un que vous n'aimez pas? Eh bien aujourd'hui, vous pouvez le faire grâce à ceci! Eh bien c'est la boisson Dragon Ball Z, bien sûr, hein, elle est enfin disponible seulement au Japon, mais vous pouvez apparemment quand même commander ça sur le site. Il y a 12 canettes à collectionner avec bien entendu les visuels de la série dessus. Si ça c'est pas la classe, et normalement grâce à cette boisson, si quelqu'un vous victimise, eh bien vous pourrez parler comme les Japonais énervés dans les mangas et lui péter sa gueule. Et ouais mon pote. Tiens, hé petit bite, tu vas me chercher un café en attendant s'il te plaît? Wana Yomantemo. Sans sucre, le café. Le Rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Hein. Regardez comme elle est belle, elle est jolie, elle n'attend que vous. Et avant de se quitter, oh, Michel, non, arrête, descends d'ici, arrête de faire le con, t'es relou, Michel. Mais non, mais... Oh. Et voilà, et bim, Michel. Mais oui, mais à chaque fois, je le préviens, je lui dis, Michel, tu vas encore passer pour un con. Bonne soirée à tous, et à demain. M'énerve.